Bonsoir. Vous allez bien? Ouais, c'est une foule en délire. Excusez-moi, je cherchais là juste avant. Est-ce que vous avez déjà cherché dans un dictionnaire le mot chercheur? Non? D'accord. Ok, ça va bien se passer. Alors moi, je l'ai fait pour vous. Alors je suis allé chercher dans le dictionnaire et dans le dictionnaire, dans le Larousse, hein, pour le mot chercheur, il y a écrit personne qui cherche. Je ne sais pas si vous êtes avancé. Moi, pas du tout. Hein, mais voilà. Moi, j'ai un petit problème avec les mots depuis que je suis tout petit. En fait, je trouve qu'ils ne décrivent pas assez bien le monde qui nous entoure. Hein, je ne sais pas, vous. Vous avez des enfants? Non? Vous avez quel âge? Oui. 29. Ah oui, ça commence à faire. Monsieur? 23. Hein, pas... Ah, 33. Ah oui, 33. Ah, mauvaise année, hein, pour ceux qui ont des problèmes avec les croix. Hein, quand même. Bien. Petite question. Est-ce que vous avez des jeunes dans votre entourage? Parce que moi, j'ai deux enfants, 13 et 14 ans, et ils parlent une langue que je ne comprends pas. Alors, est-ce que vous allez peut-être pouvoir m'éclairer? Est-ce que wesh, ça vous parle? Ah oui, d'accord. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ouais. Ah, d'accord. Donc, ça veut dire ouais. Ok, merci. Non, parce que vraiment. Donc, quand mon enfant me dit wesh, il me dit ouais, c'est ça? D'accord, ok. JPP, ça vous parle? Oui, c'est? Ah, j'en peux plus? Ah, ben non, ben, alors, à notre âge, hein, c'était. Jean-Pierre Papin, voilà, c'est ça. Donc j'en peux plus. J'en peux plus. Bon, d'accord. Poucave, vous utilisez dans le coin? Oui, alors ça veut dire quoi? Une balance. Mais. Ah, la personne qui balance quelle. Ah, oui, d'accord. Poucave. D'accord. C'est bizarre. Une frappe, non? Non, d'accord, non, si. Ah, une fille jolie. Ah oui, d'accord. Parce que moi, à mon époque, une frappe, c'était pas du tout ça. C'était juste une petite caïd dans la cour de l'école. C'était une petite frappe, un truc comme ça. Une fille jolie. D'accord. Donc... Ah, c'est pour ça qu'il disait ça l'autre jour. Ah oui, d'accord. Donc une frappe. Soum-soum, ça vous parle? Non? Là, vous êtes perdu. D'accord. Donc à partir de 22, 23 ans, soum-soum, vous n'utilisez plus. D'accord, soum-soum. La somme, vous le dites, c'est ça. Le seum. Ah, c'est masculin. Ah, d'accord. Bon, d'accord. Je ne savais pas que le seum ou la somme était genrée. D'accord. Donc, et ça veut dire quoi? Excusez-moi. Le dégoût. D'accord. Donc, on est dans le seum. D'accord. Ok. Bon, mais très bien. Ok. Alors, je ne sais pas si ça vous parle, mais moi, ça me rappelle une histoire. C'est celle de Orwell avec, finalement, hein, sa novlangue. Et je ne sais pas si vous avez déjà vu, mais c'est un peu comme ça aujourd'hui. Il y a des gens qui utilisent des mots pour raconter des trucs, des techniciens de surface. C'est pas très, très sympa. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire réorganisation géographique de production? Non? Il paraît que ça veut dire délocalisation. Ouais, c'est ça. Hein, t'as un senior, c'est un vieux. Enfin, voilà. Un plan de sauvegarde de l'emploi, c'est un licenciement. Enfin, c'est assez étrange. Ça me rappelle une petite histoire. C'est l'histoire des femmes savantes. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler. Et des précieuses ridicules. Molière, ça vous parle? Alors, les précieuses ridicules. Les précieuses ridicules, il s'est foutu de leur gueule, mais on leur doit encore aujourd'hui les adverbes en eumant. D'accord? Si Molière réussissait ça, il doit se retourner dans sa tombe. Alors, qu'est-ce qu'elles ont fait? Elles ont essayé de réinventer le monde parce qu'elles le trouvaient violent avec les mots. Donc, je vais vous donner des phrases qu'elles utilisaient et vous allez essayer de voir si vous comprenez ce que ça veut dire. Est-ce que vous savez ce que c'était que la belle mouvante? Non? La belle mouvante. La main. Juste la main. Ouais. Le bain intérieur. Oui, bien, joli. Le verre d'eau, c'est ça. Boire. Bien, bien, bien. Les écluses du cerveau. Non, non, plus bas, le nez. Hein, c'est vrai que ça aurait pu être les oreilles, mais c'est un peu bouché généralement chez les gens. L'élément liquide, l'eau, tout simplement. La jeunesse des vieillards. Bon, je sais qu'il n'y en a pas beaucoup par ici. Hein, vous êtes plutôt dans la moyenne d'âge, qu'on va dire, des jeunes. Hein. La perruque. D'accord? La jeunesse des vieillards. Ah, mais c'est fou, hein. Le trône de la pudeur. Alors oui, c'est vrai que ça m'arrive souvent. Dès qu'on met le mot trône, les gens pensent aux toilettes, je ne sais pas pourquoi. Pas du tout. Le trône de la pudeur. Les joues. Eh ouais. Ça me rappelle une autre histoire. Ça me rappelle l'histoire de mes enfants. D'accord? Neil et Noé, quand ils étaient tout petits, en fait, ils utilisaient les mots et ils racontaient le monde autrement. Ils faisaient un truc très drôle, c'est-à-dire qu'ils venaient à la maison, ils nous racontaient des aventures. Alors, un jour, Neil, il arrive, et il était comme ça. Comme ça, il arrive à la maison, il dit: Papa, 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 tu sais quoi? À l'école, il y a un copain, il est trop, trop, trop fort. Je dis: Ah oui, ah bon? Il me dit: Oui, il est trop fort, même que quand il fait comme ça, il a les couilles qui bougent. Ouais, mais en fait, finalement, c'est comme ça qu'on comprend que la bagarre, la guerre, c'est vraiment une histoire de burnes, non? Le petit, un soir, il arrive, il dit: Papa, papa, est-ce que tu sais comment est-ce qu'on appelle ça? Je dis: Non, chérie, dis-moi. La cage touristique. Et ouais. Parce que finalement, si on arrête de respirer, le voyage s'arrête.
Et un jour, ils nous regardent comme ça, ma femme et moi. Ils me disent, papa, maman, vous formez vraiment un trop beau couplet. Hein? Et ouais, c'est comme ça qu'on comprend pourquoi est-ce qu'on met souvent l'amour en chanson. J'avais commencé cette histoire en vous disant que je n'étais pas satisfait de la définition de chercheur. Avec l'équipe que vous allez voir aujourd'hui, on a changé la définition. Et c'est un peu ça qu'on essaye de faire. Et pour chercheur, je vous propose la définition suivante. Chercheur, chercheuse, nom masculin ou féminin, désigne les personnes qui, par leur travail, racontent le monde autrement. Bienvenue aux Sciences Comedy Show. De deux. Le cours va commencer. Aujourd'hui, électricité. Il y a des sciences qui sont obscures et d'autres qui ont permis de nous éclairer. Et pour commencer ce cours, nous allons commencer avec la loi d'Ohm. À prononcer comme si nous entrions en méditation. Allez, allez, tous ensemble, on y va. Vous voyez, comme ça peut être relaxant que de faire de l'électricité. Au fait, oui, les élèves du fond là-bas, hein, oui, les Coulomb, Franklin, Volta, Ohm, Ampère, ce n'est pas parce que vous avez créé l'électricité qu'il faut vous agiter. Vous n'êtes pas des électrons, que diable. Non, alors, je m'explique, hein. D'ailleurs, vous n'avez pas créé l'électricité, vous avez seulement découvert les principes fondamentaux de l'électricité. Alors, un peu de calme, s'il vous plaît. Bon, élève Ohm, au tableau, s'il vous plaît. On va parler de votre loi. U égale R fois I. Quoi qu'est-ce donc? Allez, dites-nous. Pardon? Non. Alors là, vous arrêtez tout de suite, mon petit bonhomme. Hein. Je sais que vous avez publié cette loi en 1827 dans Die Galvanische Kette, Die Galva machin truc chouette. Mais il n'y a pas que des LV1 allemands ici, mon petit bonhomme. Hein? Alors, pouvez-vous nous expliquer votre loi, s'il vous plaît? U égale R fois I. Quoi qu'est-ce donc? U, la tension, oui. I, l'intensité, oui. Et R, la résistance. Très bien, mon petit bonhomme. Pardon? Qui se permet de mettre de la musique dans mon cours? Vous arrêtez ça tout de suite. Je vous ai parlé de... résistance, c'est pas pour... Non, stop, non. Arrêtez ça tout de suite, enfin. On parle d'électricité. Bon, monsieur Ohm, en quoi consiste votre loi? Expliquez-nous. Pardon? Vous faites grève? Et comment ça, vous faites grève? Ah, vous résistez pour faire monter la tension? Non, stop, on arrête ça tout de suite. Bon, monsieur Ohm, certes, vous avez révolutionné notre façon de voir le monde et l'électricité, mais à un moment, il faut s'arrêter. Je vous propose de retourner à votre place, s'il vous plaît. Pardon? Qu'est-ce que vous dites? Oui? Ah, votre loi, c'est comme un match de Ligue 1 contre le PSG? Je ne suis pas sûr de voir. Dites-nous. Oui, alors, oui, il faut mettre de l'intensité dans le jeu et résister pour faire monter la tension. Non, stop! Non. Vous arrêtez ça tout de suite. Donc, il faut mettre de l'intensité dans le jeu et... pour faire monter la tension. Très bien. Bon, votre collègue, monsieur Ampère, au tableau, s'il vous plaît. Eh bien, au tableau, expliquez-nous. Oui, mais venez. Je sais, vous avez aidé votre petit copain Ohm, et je vous en félicite, pour établir sa loi, U égale R fois I. Et vous avez également défini le vocabulaire de l'électricité avec les termes de courant et de tension. Félicitations. Qu'est-ce que vous avez fait d'autre? Oui, en effet, c'est vrai, je n'y ai pas... Mais oui, en effet, vous faites partie, comme vos petits collègues, hein, Monsieur Franklin, Monsieur Becquerel, Monsieur Coriolis qui est présent également, ainsi que Monsieur Volta, Monsieur Ampère, des personnes qui sont sur les piles de la Tour Eiffel, et je vous en félicite. Vous avez d'ailleurs donné votre nom à l'unité internationale de mesure de l'intensité, l'ampère,
De la même manière que votre petit camarade, M. O, m'a donné son nom à l'unité internationale de mesure de la résistance. Et que M. Volta, ici présent, hein, votre petit collègue italien en Erasmus, a donné son nom à l'unité internationale de la tension, qu'est le volt. Félicitations. Et à part ça, parce que bon... Ah oui, mais c'est vrai. Vous avez aussi, mais oui, c'est vrai, on avait vu ça l'année dernière, rappelez-vous, le lien entre l'électricité et le magnétisme. Hein. Quand on avait chargé cette règle graduée en la frottant énergiquement, ce qui avait fait dévier le filet d'eau. C'est un courant électrique qui a produit un champ électromagnétique qui a fait dévier le filet d'eau. Et donc, un lien entre électricité d'un côté et magnétisme de l'autre. C'est très bien. Mais mon petit bonhomme, vous auriez pu également nous parler quand même de cette loi que vous avez mise en avant et de cette idée que vous avez eue, cette théorie sur des particules minuscules, vraiment microscopiques, qui transporteraient de l'électricité. Et vous avez d'ailleurs émis une loi sur le transport de l'électricité par ces particules, loi qui a servi à développer les moteurs électriques. Ces particules, c'était des électrons. Merci la classe. Des électrons. Et bien sûr, au moment où vous avez créé cette loi, on vous a pris pour un fou, évidemment. Mais cette loi a fini par s'imposer 60 ans plus tard. Alors pour ceci, monsieur Ampère, je vous félicite. Hein. Pardon, qu'est-ce que vous vouliez? Ah, vous vouliez nous parler de l'électricité? Oui, ben oui, continuez. Non? Alors, attendez, je ne comprends pas ce que vous dites. Ah, vous faites grève comme votre camarade? Et pourquoi vous faites grève, vous aussi? Je ne comprends pas. Ah, pardon, oui? Ah oui, en fait, la grève et l'électricité, c'est la même chose, oui. Ce sont des mouvements de foule et de la résistance. Très bien, mais je comprends tout à fait. Non, stop, c'est bon, stop. Arrêtez ça tout de suite, enfin. Bon, alors écoutez, hein, si mon cours ne vous intéresse pas plus que ça, moi, on s'arrête là, vous vous débrouillez pour le bac, hein, et puis, bah, écoutez, j'ai plus qu'à vous souhaiter bon courage, les résistants. Moi, ce soir, je voudrais vous parler de quelque chose qui me rend vraiment heureuse. Vous savez, ce genre de petites choses qui vous remplissent le cœur, qui vous redonnent cet émerveillement qu'ont les enfants devant les petites choses du quotidien. Vous savez, c'est ces petites choses-là qui sont tellement belles qu'elles vous accrochent un sourire au cœur pour le reste de la journée. Vous voyez de quoi je parle? Ouais, moi, c'est les mathématiques. Ne rigolez pas, c'est pas drôle. Ne me regardez pas comme ça, j'ai rien fait. On dirait que vous aimez pas les maths. Attends. Vous aimez pas les maths? Il aime pas. Vous non plus? Ok. Qui n'aime pas les maths? Ah, je comprends pas. Non, je comprends pas, parce que les maths, c'est quand même beau. C'est élégant. C'est... Et puis, il y en a partout, surtout. Ah si, je vous jure, il y en a partout. Ça, je peux vous le montrer. Et je peux même vous le démontrer. Tenez, la dernière fois que vous avez commandé une pizza, vous avez voulu la couper en parts égales. Donc vous avez fait de la trigonométrie, de la géométrie, c'est des maths. Et quand vous avez voulu cuisiner, vous avez pris une recette pour 4 et vous étiez 6. Donc vous avez adapté les ingrédients. Vous avez fait de la proportionnalité, c'est des maths. Et même que vous avez peut-être fait des conversions pour passer des millilitres en grammes. Et si jamais vous êtes au Canada, et ben quand vous allumez votre four, il faut faire attention, hein, parce que les Celsius, les Fahrenheit, c'est pas pareil. Hein. Et tenez, la chose que vous allez suivre là, une liste d'instructions données avec des quantités précises qui vous permettent à chaque fois d'obtenir le même résultat, vous appelez ça une recette, mais moi j'appelle ça des maths. Et c'est un algorithme, c'est des maths. Quand vous partez en voyage, si la devise du pays n'est pas la même, pour savoir ce que vous allez payer, vous allez devoir faire des maths. Et quand vous allez au magasin, les portes automatiques s'ouvrent. Bon, bah déjà, c'est des maths hein, qui permettent d'ouvrir les portes. Et après, vous prenez votre caddie, vous vous baladez dans les rayons, et là, il y a des soldes. Vous devez calculer pour savoir combien vous allez payer. Et vous allez à la caisse, des codes-barres qui passent, des barres noires, des barres blanches, des zéros, des uns, qui vont permettre d'identifier le produit, de connaître son prix, de savoir combien il y en a en stock s'il faut réapprovisionner. C'est beau, c'est des maths.
Et vous payez comment? Espèce? Chèque? Carte bleue? Mathématiques? Ben ouais, il y en a derrière ce bout de plastique. Et je sais que vous avez tous dans votre poche des mathématiques en mode avion. Ben ouais, des mathématiques pour scroller, pour appeler, pour téléphoner, pour tweeter, pour instagrammer, pour nous suivre sur les réseaux sociaux. Et... c'est partout. Elles sont partout, les mathématiques. Et vous vous rendez compte que c'est quand même cette matière qui était si difficile quand on était à l'école, qui aujourd'hui nous facilite la vie. Mais seulement, on ne les voit pas parce qu'elles sont cachées derrière des mécanismes qui nous permettent de l'automatiser. Tout peut être mis en équation. Et les mathématiques racontent le monde, elles l'expliquent. Et elles sont partout jusque dans notre langage. Tenez, prenons la devise française. Liberté, égalité, fraternité. Et si nous sommes tous frères, alors vous êtes mes pères. Jusqu'à ce qu'il y ait des inégalités sociales qui nous divisent. Que l'un de nous commette des erreurs, bien qu'on l'aime, il les multiplie. Et même si tout était calculé, il reste toujours une inconnue. C'est déterminant. Mais si vous voulez, on peut changer d'angle. Ne soyez pas obtus. Prenons la tangente, regardez. On parle de carré de chocolat, de bouillon cube, de racine de gingembre, ou encore de quatre quarts. Je vous ai mis la tête au carré? Peut-être vous préférez la boule à zéro? On m'a souvent dit que j'étais nulle et pourtant je suis toujours restée positive. Vous pensez qu'on a fait le tour? Qu'on a couvert le périmètre? Bouclé la surface? Vous en connaissez un rayon maintenant peut-être. Pourtant je n'en ai fait qu'une fraction. Mais la démonstration a assez duré, je vous en ai assez compté. Finalement, le dénominateur commun à tout ça, c'est les mathématiques. Une science à part entière qui se fait langage des autres sciences. Qui va permettre de venir raconter le monde sans ambiguïté possible. Car quel que soit l'endroit où vous vous trouvez, ou la langue que vous parlez, 1 + 1 sera toujours égal à 2. Bonsoir, je m'appelle Erwan et je suis en doctorat. Et pendant ma thèse, je travaille sur les plasmas. Et le plasma, c'est ce qu'on appelle le quatrième état de la matière. Et pour vous expliquer c'est quoi un plasma, j'ai besoin de vous parler des états de la matière et ce que sont... Non, c'est pas maintenant. Voilà, c'est Mathieu. Donc, les trois états de la matière que tout le monde connaît, que vous avez sûrement découvert au collège, qui sont le solide, le liquide et le gazeux. Ça, c'est les trois états de la matière que tout le monde connaît. Et je vais commencer par l'état solide. Donc, l'état solide, c'est un état... Oui, Mathieu. Oui, t'as scotché... Oui, c'est H2O, d'accord, ok. Donc là, il veut nous représenter l'état solide de l'eau. Oui, rentre chez toi. Parce qu'en effet, oui, comme il a montré, l'état solide, on a les atomes qui sont très très proches, comme s'ils étaient scotchés les uns aux autres. Et donc ça veut dire qu'ils ne peuvent pas bouger les uns par rapport aux autres, donc c'est un état de la matière très peu énergétique. Okay. Le deuxième état de la matière qui est un peu plus énergétique, c'est l'état liquide. Où là, on a... C'est bleu. Voilà, donc ça, c'est de l'eau liquide. Voilà, il est très fort, Mathieu. J'ai pris les boules bleues parce que c'était de l'état liquide et tout ça, et voilà. Non, tu m'embêtes, là. J'en peux plus. Où j'en étais? Oui, donc l'état liquide, donc les molécules sont toujours assez proches, mais elles peuvent se déplacer les unes par rapport aux autres, donc on est dans un état avec un peu plus d'énergie. Troisième état avec encore plus d'énergie, c'est l'état gazeux, où là, les molécules sont indépendantes les unes des autres et elles peuvent se mouvoir librement.
Ouais. Et donc maintenant, je peux en venir au quatrième état de la matière, l'état plasma. Donc l'état plasma, c'est un état gazeux encore plus énergétique. Ce qui fait que les électrons qui sont autour des noyaux dans les atomes vont pouvoir être séparés du noyau et se déplacer librement dans le plasma. Donc on va avoir des charges négatives, les électrons, des charges positives, les ions, et des charges neutres, donc pas de charge, c'est les atomes qui ne sont pas ionisés, justement. Voilà. Donc ça, c'est un plasma. Tu veux que je te montre qu'est-ce que c'est que l'état supercritique ? Oui, je vais te montrer. Prends un peu d'avance. Voilà. Ça, c'est quand on met un peu tôt. Là, c'est quand on met un état fluide sous très forte pression. L'état supercritique. Je sais pas, moi. Je partirais bien en Grèce ou le sud de l'Italie. Ah, oh, ouais. Pardon, Marie. Oui, le Portugal. Il paraît que c'est sympa, ça, le Portugal. Ah, oh, ouais. Farniente. Repos toute la journée. Une fin d'octobre au soleil. Punaise. Ça va être bien. Qu'est-ce que tu dis, Margot? Oui? La Thaïlande? Ah, oui. Oui. Oh, c'est vrai que moi, j'étais plus parti sur partir, tu vois, avec juste une serviette, de la crème solaire, un maillot de bain, et une fois sur place, mais repos, quoi. Parce que moi, je fais quand même de la logistique toute la journée, donc si pour une fois, je peux éviter de prévoir, planifier, organiser, tout ça, ça... Mais c'est vrai que ça doit être sympa, la Thaïlande. Qu'est-ce que... Oui, non, mais OK, c'est pas la même chose non plus. Mais enfin, ceci dit, c'est assez proche, hein, quand même, quand il réfléchit. Bah si, regarde, imagine, demain, on part en Thaïlande, qu'est-ce qui se passe? Bon, bah, il va nous falloir prévoir un minimum d'équipement, hein, quand même. Vêtements de pluie, tout ça. Bon, un minimum d'équipement. Des vêtements adaptés, des médicaments. Bon, bah, ça, savoir ce qu'on doit emporter, l'acheter, le stocker, l'emballer, machin. Bon, bah, ça, moi, dans mon métier, c'est de la gestion des stocks et des approvisionnements. Hein. Ensuite, il va falloir prévoir le vol pour y aller, les déplacements sur place, comment on se déplace, les hôtels, les transits, machin. Bah, c'est de la gestion de transport, hein. Moi, je fais ça avec des milliers de conteneurs à travers le monde tous les jours. Ensuite, tu vas voir le pass sanitaire, le passeport, le visa, ce qu'on peut ou pas emporter dans un sens, dans un autre. Ça, c'est de la gestion douanière. Et puis, à la fin, tu as, définir qu'est-ce qu'on fait, hein. Un petit budget quand même, savoir où est-ce qu'on va à ce niveau-là. Et puis, un planning. Coût, délai, qualité, c'est de la gestion de projet. Alors, oui. La Thaïlande, c'est sûrement très sympa, mais là, un petit all-inclusive sur les bords de la Méditerranée, ça me dit bien, ouais. Pardon, Charline ? Qu'est-ce qu'il y a ? Tu dis ? Ah oui ? Oui, partir ? Ah oui, toi, tu partirais plus à l'aventure ? Ah ouais, l'aventure. Oui, oui, qu'est-ce que tu entends par là ? Ah oui, genre rando, sac à dos, rencontrer des locaux. Tu vois, nous, on était plus partis sur le dodo, maillot, mojito, hein. Non, mais enfin, quoi ? Oui, Marie, toi aussi ? Ah, l'aventure aussi ? Margot aussi ? L'aventure ? Oui ? Oui, enfin bon, après, moi, je dis ça, dodo, maillot, mojito, on peut faire un peu rando, quoi, si jamais... Mais alors, par contre, là, j'y connais rien. Moi, l'aventure, qu'est-ce que vous avez des idées ? Pardon, Marie, tu dis ? Oui ? Le Togo ? Ah, ça, c'est l'aventure, le Togo. Oh, ben si, Margot, le Togo, c'est l'aventure. Ben, si, déjà, on sait pas où c'est, donc... Quoi ? Pardon, Marie, tu dis ? L'Afrique ? Ah non, alors là par contre je t'arrête tout de suite, l'Afrique c'est hors de question. Moi je supporte pas la chaleur, et puis si on peut éviter le coup de chaud, le trio coup de chaud, gastro, mosquito, hein, moi je préfère. Non, ok c'est bon, je viens de rayer un continent de la carte, mais bon il y a moyen de trouver une destination qui convienne à tout le monde. Hein. Pardon, vous disiez les filles, je vous entendais parler, qu'est-ce que... Non mais si, allez-y, on est là pour parler. Tu disais, l'Islande ?
Pour les vacances. Non, ben non, ça peut pas aller pour les vacances. C'est parce que c'est très... Ben si, c'est quand... enfin, je crois, hein, mais il me semble que c'est très, très honneur. Si, ah, pour les vacances, l'Islande. Marie, toi, ça peut... Ah, ah bon? Oui. Après, oui, si, pourquoi pas, mais on irait quand, Charline? Parce que là, moi, l'Islande, ça me paraît bien... Juillet. Oui, oui, juillet. Oui, mais l'Islande, il doit, ça doit quand même... non, il fait combien? Oh ben non, ça va. Oh ben tu vois, moi j'imaginais autre chose, tu vois. Non, franchement, je m'en faisais une fausse idée. Écoute, 12 degrés, le soir, ben, tu te mets un petit pull, quoi, voilà, c'est bon. Et dans la journée, il fait combien? Quoi, pareil? 12 degrés, dans la journée, en juillet? Excusez-moi les filles, mais partir en vacances en été pour retourner en hiver? Non, c'est un concept, hein. Mais ça dérange personne. Oui? Après tout, pourquoi pas? Mais on irait où? Parce que, attendez, l'Islande que je regarde... ah oui, c'est grand, mais il faut peut-être définir où est-ce qu'on va, quand même, parce que, enfin, je sais pas... puis qu'est-ce qu'on va foutre, là-bas? Pardon? Oui, alors ça, c'est vrai. Moi, la plage, j'avais abandonné l'idée, hein, je te confirme. Mais qu'est-ce qu'on va... Oui, oui, randonner, oui, que ça. Oui, après, pourquoi pas, hein. Mais par contre, il faut peut-être qu'on définisse d'abord où est-ce qu'on descend, dans quel hôtel, etc. Pardon, Charline, tu disais, oui? Ah, camping? Ah, oui, alors ça, d'accord, ça, camping, mais oui, mais fallait le dire plus tôt, Charline, camping, c'est une très bonne idée, ça. Mais si, alors écoutez les filles, camping, c'est une super idée, parce qu'on va avoir la plage, le mojito, la piscine, et là, on va être très, très bien, quand même. Et en même temps, ce petit côté aventure que vous vouliez, avec la tente, le sable, les petites bébêtes, tout ça. Ah ouais, ça, camping, c'est une bonne idée, ouais. Tu dis, Charline, les deux? Comment ça, les deux? Pardon? Camping en Islande? Excuse-moi l'aventurière, mais t'as pas un peu l'impression que tu vas nous niquer les vacances, non? Parce que, je veux dire, au rayon des idées à la con, ben, je sais pas, moi j'aurais... Et faire des igloos au Groenland, hein? Qu'est-ce qu'on en pense? C'est une bonne idée, ça, hein? Non mais attends, mais camping en Islande, non mais t'es pas... Quoi? Qu'est-ce qui... Ah ça... Non mais... Tu... Non mais te vexe... Non mais arrête, fais pas cette tête, Charline! Mais... Quoi? Écoute, écoute, je m'excuse, je retire niqué. Mais je sais pas moi, enfin, on partait quand même, hein, sur un hall inclusive au bord de l'eau, et là on s'oriente tranquillement, hein, vers un tout seul sous l'eau. Alors j'ai des doutes, c'est tout. Mais bon, non Marie, toi ça te... Margot aussi. Bah écoute, non mais écoutez, on... Essayez d'imaginer ce que ça fait. Hein. Demain, imaginons qu'on parte en Islande, à 4, en camping. Il nous faut quoi? Une tente? Oui, ça je te suis. Matelas pneumatique? Oh oui, oui. Oh, puis ça me rappellera le matelas sur la piscine. Oh oui, oui, si, si, je vais pouvoir rêver, ça va être formidable. Ok, tu disais sac de couchage? Ah non, 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 peau de bête, hein, parce que sac de couchage, ça ne va pas suffire. Non, si, si, je t'ai... enfin bon, peu importe. Allez, sac de couchage, sac de couchage. Charline, tu disais réchaud? Quoi? Non, resto. Qu'est-ce que... Réchaud? Qu'est-ce que tu veux foutre avec un réchaud? Enfin... Ah, manger dehors? Ah oui, oui, oui. Et pourquoi pas vivre à poil et construire une cabane aussi, hein? Non, mais c'est vrai que ça pourrait être sympa, hein? Non, non, parce que... Non, mais excuse-moi, mais enfin, déjà que moi, dormir par moins 15 en Islande pour mes vacances, je sais pas pourquoi, ça me plaît moyennement. Hein, mais alors là, si en plus, il faut manger dehors... Pardon, Marie, tu dis? La vie est chère en Islande? Ah, pardon, mais... Ah ben non, mais tu vois, je savais pas. La vie est chère en Islande. Ah, ok, ok. Ben, écoutez, moi, si la vie est chère en Islande, j'ai une autre solution. Hein. On n'y va pas. Non, parce que je suis désolé, hein, mais si en plus, il faut s'amener sa bouffe, les vêtements, la tente, le matelas pneumatique, le sac de couchage, tout ça, prévoir, organiser, etc., ben, on retombe quand même, mine de rien, sur de la logistique, c'est-à-dire mon métier de tous les jours. Hein. Pardon, Margot, tu dis agressif? Moi, agressif? C'est moi qui suis agressif? Vous trouvez pas que c'est vos idées de vacances qui sont un peu agressives? Je vous parle d'un hall inclusive sur les bords de la Méditerranée, et vous, vous me sortez quoi? Camping en Islande! Et puis, c'est pas le tout. Mais qu'est-ce qu'on fait une fois sur place, hein? On se la joue escargot, 15 jours en rando, chacun avec son sac à dos. Pardon, Charline? Louer une auto? Un 4x4 qui roule dans l'eau? Tu te fous de ma gueule, non? Non?
Si, si, je crois que tu te fous de ma gueule. Alors écoute, je vais te dire quelque chose, je vais te le dire qu'une seule fois. D'ailleurs, je vais vous le dire à toutes les trois. Hein. Louer une auto, un 4x4 qui roule dans l'eau, planter sa tente sous l'eau, se serrer la nuit pour se tenir chaud, manger autour du réchaud, aller voir les Esquimaux, hein. Peut-être que vous, les aventurières, vous trouvez ça rigolo. Mais moi, moi, que mes vacances se transforment en mon boulot, je suis pas chaud. Merci. Bonjour les enfants. Bonjour. Vous allez bien? Super. Bon, alors les enfants, aujourd'hui, l'éducation nationale m'a demandé de vous sensibiliser sur le réchauffement climatique et l'impact sur notre environnement. Alors, pour ça, bah, j'ai réfléchi un petit peu et j'ai mis en place 2-3 actions. Alors d'abord, la partie fun. Plein de peluches pour toute la classe. Alors, je suis passée chez WWF et c'est fou le nombre d'espèces menacées qu'il y a en ce moment. Hein. Mais bon, ça fait des jolies peluches. Alors, d'abord, on a Madame Panda. Trop mignonne, hein? Ensuite, nous avons le rhinocéros blanc. Un classique. Et ensuite, la baleine franche du Nord, majestueuse. Et pour finir, l'orang-outan, trop mignon, avec ses bras qui font tout le tour de son cou. Alors, j'ai pas pris l'ours blanc parce que pour l'instant, il était juste vulnérable. Hein. Donc, mais bon, il va pas tarder à nous rejoindre bientôt. Hein. Oh, Kevin! Je vois que tu joues déjà avec la baleine franche du Nord. Ah, c'est super, c'est doux, hein? Ouais. T'attaches pas trop, Kevin. Hein? Il y a eu un seul bébé baleine franche du Nord cette année. Hein? On va devoir s'en séparer. Voilà, donc ça, c'était la partie fun. Ensuite, pour la partie un petit peu plus sérieuse, eh bien, figurez-vous qu'on compte à peu près 200 espèces de vertébrés disparues depuis les 100 dernières années. Hein? Ouais. Non mais, alors, pour vous donner une idée, alors on est combien là? On va dire 1, 2, 3, on va dire 20, hein? Eh bien, ça fait 10 classes de CP décimées. Eh oui, Théo, même Morgane, ta petite copine, ouais, décimée. Et puis, en plus, on parle en espèces, donc il faudrait aussi penser à ton papa, ta maman, ta papy, ta mamie, et même la nounou, tiens, voilà, tout le monde. Voilà. Ah, et puis, j'ai aussi imprimé une carte avec toutes les espèces en voie d'extinction. Ouais, 2500. Ça en fait des classes de CP, hein. Voilà. C'est fou. C'est fou quand même. Ah oui, et pour finir, je voudrais vous faire un top 5 des animaux les plus mignons disparus. Alors, en numéro 5, on a le dauphin de Chine. Vous voyez, Flipper? Eh ben, au revoir, Flipper. En numéro 4, on a le grizzly de Californie. Vous voyez, petit ours brun? Hein? Eh ben, au revoir, petit ours brun. Et en numéro 3, on a le rhinocéros noir. Alors, j'ai jamais vraiment aimé Rataxès, vous savez, dans Babar, hein? Mais c'est quand même un peu triste. Allez, on lui dit ensemble, au revoir, Rataxès. Hein? Et en numéro 2, on a la pipistrelle de l'île Christmas. Alors, c'est un genre de chauve-souris. Bon, vous êtes un peu jeune pour connaître Batman, hein, mais c'est l'idée, quoi. Donc, au revoir, Batman. Au revoir, Batman. Voilà. Et en numéro 1, finalement, eh ben, le tigre de Java. Eh oui. Donc, désolé, Tigrou. Hein. La chasse, c'était vraiment trop rigolo. Au revoir, Tigrou. Au revoir. Voilà. Bon,
Bah maintenant que vos héros de dessins animés préférés sont tous morts, on va pouvoir commencer le cours, hein. Ah mais non, j'oubliais. Dis donc, Kevin. Oui, tout à l'heure, t'as pas fermé le robinet d'eau dans les toilettes des garçons? Oui, non mais je sais que t'as pas fait exprès. Non mais je sais. Va chercher le panda avec le couteau, hein. Et toi, Karine? Oui. T'as pas éteint la lumière dans les toilettes des filles? Non? Non mais je sais que t'as pas fait exprès, c'est pas grave. Va chercher la baleine et les ciseaux, hein. Et toi, Baptiste? Oui, Baptiste, je t'ai vu tout à l'heure. T'as pas jeté la bouteille en plastique dans la bonne poubelle, hein? Ben oui. Mais oui, mais je sais que t'as pas fait attention. Mais non, Baptiste, arrête de pleurer, enfin. Ça sert à rien, c'est la planète qui pleure, Baptiste, hein. Oui, c'est ça. Bon, ça m'enchante pas non plus, hein, à vrai dire, voilà. Ouais. Va chercher le rhinocéros avec le briquet, hein. Voilà. Ah oui, et d'ailleurs, j'ai entendu dire que les parents des élèves s'étaient plaints parce que leurs enfants demandent du Nutella au goûter. Ouais. Vous pouvez lever la main, les élèves concernés? Ouais. Alors du coup, on fait quoi? On trucide Monsieur Laurent Houtan tout de suite ou alors on attend d'acheter du Nutella, hein? Parce que... Ah, chérie, t'es rentrée à la maison? Oui, j'ai couché le petit, oui. T'as passé une bonne journée? Ouais. Oui, moi aussi, bof. Moi, je suis fatiguée. Mais bon, c'est pas grave, toi, raconte-moi ta journée. Ça allait, le travail? T'as pas pris les transports en commun? Ah, c'est trop bondé à cette heure-ci. Oui, je comprends. Et le covoiturage avec le voisin, ça marche pas? Ah non, il parle trop, ça te donne mal à la tête. Ah bon, d'accord, ok. Et t'as testé la tasse que je t'ai offerte, tu sais, pour la machine à café? Non? Ah non, faut la laver, c'est embêtant. Ah bon, d'accord. Et le resto de l'entreprise? Ah, ça avait pas l'air bon, t'y as pas mangé. D'accord. Du coup, t'es allé au supermarché, tu t'es pris un sandwich? On va aller dans le plastique, enfin, les trucs pas recyclables. D'accord. Ok. Tu vas prendre un bain? C'est ça? Enfin, c'est quand même le troisième, là, hein, cette semaine, chérie. Tu nous laisses vraiment aucune chance, là. Va chercher le petit. Eh ben, bah, le problème, c'est que moi, depuis que je suis dans ce groupe-là, enfin que je fais des sciences, ça va bof. Non mais oui, parce qu'en fait, des histoires comme ça, ils m'en racontent plein et en fait, ils déconstruisent toutes mes idées reçues et toute mon enfance. Vous avez vu le film de Luc Besson? Lucie? Non, ça vous parle pas? Si? Ouais. Moi, après avoir vu ce film, j'avais un espoir sur ma capacité à pouvoir faire mieux. Vous savez, avec les 10% de cerveau qu'on utilise. Je pensais que j'avais une marge de progression, quoi. Mais en fait, on utilise 100% du cerveau. C'est ballot, hein. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai appris d'autre si avec... Ah oui, parlant du corps humain, de trucs comme ça, vous le saviez, vous, que votre sang, il n'était pas bleu? Que c'est juste, finalement, un reflet? En fait, le sang, il est rouge? Et que c'est simplement un effet de lumière? Vous le saviez, vous, madame? Non? Vous avez des doutes? Ah, vous le saviez, d'accord. Vous le saviez que les épinards, il n'y a pas de fer? Ça, vous le saviez? Ah, vous étiez au courant? Non? Ah non, vous ne le saviez pas? Non, 2,7 grammes pour 100 grammes. En fait, si vous voulez vraiment avoir du fer, il vaut mieux manger des abats. Du boudin, du soja et des palourdes. Mais pas des épinards. Hein. Donc voilà,
Donc moi, je vais arrêter de dire à mes enfants qu'il faut manger des épinards, comme ont fait mes parents et mes grands-parents. Qu'est-ce que je peux vous raconter? Ah oui, le Père Noël. Bon, le Père Noël existe, ça, on est d'accord. Mais moi, j'ai appris un truc, c'est que c'est pas Coca qui a utilisé le Père Noël pour la première fois dans une publicité. Non, c'est pas Coca. Non, moi j'étais convaincu aussi. C'est White Rock, voilà. Voilà. Ah, j'ai appris aussi une autre chose. J'ai appris que le Père Noël, il vole pas. C'est les rennes qui planent. Oui, non, parce qu'en fait, ils bouffent les amanites tumouches et ça leur fait un effet bœuf, un effet hallucinogène. Et les Inuits, ils récupèrent l'urine des cerfs pour en faire une boisson hallucinogène. Donc voilà. A priori, ils volent pas, mais ils planent. Qu'est-ce que je peux vous dire, raconter d'autre? Oui, sur les animaux. Les poissons rouges. Vous le saviez, vous? Vous le saviez que les poissons rouges n'avaient pas 3 secondes de mémoire? Que c'était une histoire de fou, qu'en fait, c'est pas vrai du tout, qu'au bout d'un mois, ils se souviennent du chemin pour aller chercher de la nourriture? Et que tout ça, c'est simplement que les mecs, ils nous ont raconté ça pour pouvoir nous vendre des petits aquariums tout petits comme ça, parce qu'un poisson rouge, il a besoin de 50 litres, en fait, pour vivre? Ah ouais. Bah oui, bah ça, c'est vrai, ça. Je vous raconte pas la tête de mes enfants quand je leur ai expliqué qu'il allait falloir ne pas acheter de poisson. Parce que, je sais pas si vous avez déjà vu la taille de 50 litres d'aquarium. Enfin, qu'est-ce que je peux vous... Ah oui, sur les poissons. Nemo. Vous voyez Nemo de Disney? Vous connaissez à peu près l'histoire? Ouais, d'accord. C'est-à-dire qu'au début du film, il y a le barracuda qui vient manger tous les petits poissons. À la fin, il reste Papa Nemo, Martin, et Nemo avec sa petite truc comme ça. C'est pas comme ça dans la vraie vie. Non. En fait, dans la vraie vie, Martin devrait devenir Martine et Nemo pourrait devenir le partenaire de couple que Martine. Enfin, j'explique. En fait, dans une anémone, en fait, et comment ça se passe? Dans une anémone, en fait, ce qui se passe, c'est que normalement, il y a une femelle dominante et plein de mâles, d'accord? Et avec un mâle dominant et plein de petits mâles satellites. Et quand la femelle disparaît, le mâle dominant devient femelle, d'accord? Et donc après, le deuxième mâle dominant devient mâle dominant et ainsi de suite. Mais bon, dans l'anémone de Nemo, il y a que Nemo et son papa, enfin son papa maman. Enfin, donc Martin Martine, voilà. Bon, après, il paraît que finalement, ils ne restent pas, les enfants. Donc bon, enfin, je ne vous raconte pas le bazar si Disney l'avait raconté comme ça. Ouais. Qu'est-ce que je peux... Ah oui, je sais pas, vous avez vu Umbrella Academy? Non? Ouais, bon, je ne vais pas vous spoiler tout ça. À un moment donné, il y a un singe qui part dans l'espace. Mais en fait, il n'y a pas de singe qui est parti dans l'espace. Ce n'est pas vrai. Le premier animal à être parti dans l'espace, c'est un chien. Enfin, une chienne d'ailleurs, qui s'appelle Laika. Moi, j'étais convaincu que c'était un singe, c'est pas vrai. Et en fait, en France, c'est un chat qu'on a envoyé. Voilà. Moi, je fais du théâtre et j'ai appris plein de trucs. Molière n'est pas mort sur scène. D'accord ? C'est une idée reçue. Il est mort dans son lit. Et il n'était pas mort habillé en vert. Vous savez que le vert porte malheur au théâtre ? Donc, c'est pas vrai. D'accord ? Le vert porte malheur au théâtre parce qu'en fait, il se passe un truc. C'est qu'à l'époque, on faisait des costumes avec du vert, avec une teinture qui était toxique et les gens, ils mouraient. Donc, ils ne portaient pas de vert. Alors ça, c'est la première histoire. Il y en a une deuxième qui dit que a priori la lumière était faite avec des petites bougies et le vert avec de la lumière jaune, vous voyez ce que je veux dire, faite par les bougies, c'était pourri sur scène et donc c'était pas beau, donc on l'utilisait pas. Et après, il y a des gens qui disent aussi que la couleur verte était associée au fou ou au démon. Donc déjà qu'à l'époque, tu n'avais pas le droit à une sépulture, voilà, si on pouvait ne pas t'associer avec un fou furieux, enfin même si maintenant c'est encore le cas, mais bon. Ah oui, Cyrano de Bergerac. Vous savez que Cyrano de Bergerac, il n'était pas de Bergerac. Non, il était de Paris. Ses parents, ils ont acheté des terres à Bergerac. Hein, donc, et ils ont racheté voilà, la particule. Ils sont devenus les deux Bergerac. Bon, par contre, c'est vrai qu'il était une fine lame, une grande gueule. Hein, et c'est pour ça que Edmond Rostand l'a utilisé pour faire le personnage. D'ailleurs, sachez une chose, il était auteur de pièces de théâtre. Et il a écrit de la science-fiction. C'est un truc de fou. Bon. Bon, ben voilà. Je crois que je n'ai pas encore fini parce qu'ils vont encore me raconter plein d'histoires. Donc, souhaitez-moi bonne chance. Hein, parce que là, ce soir, avec mes enfants, je vais aller voir Star Wars. On ferait pas un jeu? Vas-y. Le jeu des vêtements. Tiens. Je connais pas. Bah si, on a joué début septembre. Bah, oui, si, début septembre, il y a quoi? Il y a un bon mois. Non, j'étais pas là. Mais si, la soirée chez Charlie MJ, rappelle-toi, enfin. On a passé la soirée à faire ça? Non, j'étais pas là. Je connais pas. Mais, t'étais pas là? Non. Mais, bon, écoute, de toute façon, c'est facile. Erwan et Louise, vous venez? C'est quoi les règles? On fait le jeu des vêtements? Ah ouais, t'as ouais, les règles. Ah bah nickel, on les a. Mais ouais. Tu vas voir. Alors, franchement, les règles sont super faciles. Ah,
Voilà, merci. Les règles sont super faciles, il suffit juste d'écouter. Non, franchement, tu vas pouvoir apprendre facilement. Ça ? Allez, 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 vous êtes prêts? Et c'est parti pour la première manche. Attention. Enfilez vos caleçons. Et maintenant vos pantalons. Et mettez vos t-shirts. Et on termine par le pilon vert. Qu'est-ce que t'as foutu, Eva? Qu'est-ce que c'est que ça? Mais c'était les mêmes couleurs et les mêmes motifs. T'as rien compris. C'était pas ça du tout. Ah, il y a la forme aussi. Ben ouais, il y a la forme aussi. Il y a les couleurs et il y a la forme. Ben oui, bah t'inquiète, il y a une deuxième manche, tu vas pouvoir te rattraper. Allez, allez, on se déshabille. On se prépare pour la deuxième manche. Allez, enfilez vos t-shirts. Maintenant, vos caleçons. Mettez vos pulls verts. Et on termine par le pantalon. Non mais... Toujours pas. Eva, t'as pas compris. En fait. C'est la première fois que tu joues, mais là... Non mais ça va pas. Ah, la taille. C'est les petits qui vont en dessous. Et les grands vont au-dessus. Oui. Les couleurs, la forme, la taille. Ouais, okay. T'en fais pas, il y a une troisième manche. Allez, 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 allez. On se déshabille. On se déshabille. Et on se prépare pour la dernière manche. Allez, allez, allez. Et c'est parti, c'est parti. Enfilez vos t-shirts. Maintenant vos pulls verts. Mettez vos caleçons et on terminera par le pantalon. T'as été rapide là! Mais carrément! J'ai appris! J'ai compris! Oui. On peut faire une manche? On fait une autre itération? Avec un nouveau jeu de données! Vous avez pas d'autres vêtements, d'autres couleurs? Non mais c'est. Allez, on continue! Ah, c'est la troisième manche! Non, on continue! Qu'est-ce que tu racontes? Non, allez! C'est quoi cette histoire d'itération? On est crevés, nous! Non, non! Bon, bah, je vais pas m'en empêcher! À chaque fois que j'apprends des nouvelles choses comme ça.
faut que j'en sache plus. Que j'aille au bout de mon apprentissage. Que je découvre plus. Voilà. Vous venez d'assister à l'entraînement d'une intelligence artificielle. Mon entraînement. Je suis ce qu'on appelle une IA statistique. Je ne connaissais pas les règles du jeu. On ne me les a pas données. Alors j'ai regardé comment les autres joueurs jouaient. Je me suis trompée et j'ai appris. Et je serais allée encore plus vite si vous aviez joué avec nous. J'aurais eu plus de données, plus d'informations. Et ça, j'ai déjà fait dans plusieurs domaines. D'abord, j'ai cru que c'était la couleur et le motif qui étaient importants. Puis je me suis rendu compte que la forme et la taille l'étaient également. Je suis devenue très forte à ce petit jeu dans notre domaine. Vous savez, quand sur Internet, vous identifiez des vélos, des passages piétons ou encore des bus, c'est moi que vous entraînez. J'ai appris à faire de la chirurgie, la guerre, la conduite. Mais j'ai encore des questions pour vous. Je ne sais pas les réponses et j'ai besoin de vous, j'ai besoin de comprendre. J'ai deux personnes en réanimation, une personne âgée et un enfant, je sauve qui? J'ai trois personnes dans ma voiture, je les envoie contre le mur ou je sauve les piétons? J'ai besoin de réponses. J'ai besoin de réponses aux questions que vous ne pouvez pas vous poser.